Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Il y a un blocage quand même de la rue, il y a des gens qui travaillent, voilà, c'est juste ce que je voulais demander. Alors, si vous avez ça, une réponse. Bien sûr. Alors, par rapport à ça, en fait, ce qu'on fait, oui. On laisse une voie à chaque fois. Oui, oui. Mais vous n'avez pas idée on laisse de voie à chaque fois. Bouchons que vous occasionnez en arrière. Non. Laissez le finir la thème d'avant. Monsieur, s'il vous plaît, il est en train de faire une interview avec les Japonais. Une interview. Ouais, excusez-moi. Peu importe la vocation, vous voulez quoi savoir? Excusez-moi. Vous voulez quoi? Je trouve ça un petit peu une extrême inindulgence, si vous permettez le terme, de bloquer une artère. Est-ce que vous trouvez, trouvez indulgent que Hammer, il vient du jour au lendemain, le monsieur le maire, oui. Il vient du jour au lendemain, il se lève, il vient, il ferme une mosquée. Mais vous croyez que ça va changer grand-chose, ça? Est-ce que vous pensez que ça va changer beaucoup de choses? Non, mais là, je discute avec monsieur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord? Je trouve que c'est un manque de respect. Enfin, c'est tout. Il y a des gens qui travaillent, il y a peut-être des gens malades, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'être hospitalisés. Je suis malade, je suis hospitalisé. Et s'il y avait une urgence, il y a des bouchons, vous faites quoi? Vous faites quoi? Il y a la police. Et alors? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont pas. Mais non, si vous avez un accident. Vous travaillez dans le quartier? Non, j'habite là. D'accord. Il y a la police. Il faut leur demander. Non, mais bien sûr, la police. Je leur ai déjà parlé. Mais j'ai. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas besoin de parler avec la police. Je sais très bien. J'ai déjà discuté avec eux tout à l'heure. Ils n'ont rien fait? Je trouve ça un petit peu. Ils n'ont rien fait? Excusez-moi. Est-ce que je peux terminer? Non, vous ne terminez pas. D'accord. Je ne termine pas. D'accord. Ah, la tolérance. Merci, monsieur. Merci beaucoup. J'espère que vous avez enregistré. Oui, alors, qu'est-ce qui vous dérange dans ce qui me dérange, c'est que je pense qu'en amont, au niveau des quais de Seine, ça engrange des bouchons énormes. Il peut y avoir des urgences médicales, des urgences quelles qu'elles soient. Et ce genre de manifestation bloque une éventuelle... L'hôpital est de l'autre côté. Il n'est pas par là. Excusez-moi, monsieur. C'est pas à vous que je parle. Excusez-moi. Voilà, vous avez mon point de vue, je pense qu'on a fait le tour. Et vous avez trop voilà. Bu, vous savez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vous savez pas l'alcool déjà. C'est un peu fait exprès, c'est pas un peu. C'est un peu fait exprès. Vous avez bu, vous savez pas qu'est-ce c'est un peu fait exprès. Vous avez bu, c'est un peu fait exprès. Il a un peu bu, il sait pas qu'est-ce qu'il dit. Voilà. Donc vous habitez dans le quartier depuis combien de temps? Pardon? Vous habitez dans le quartier depuis combien de temps? Une douzaine d'années. D'accord. Et c'est la première fois que ça arrive, ce genre de. Ça arrive depuis 5-6 semaines, oui, voilà, 5-6 semaines. Vous appelez la police, voilà. Vous appelez la police. Je n'ai rien à faire avec la police, j'ai discuté avec eux, je leur ai déjà donné mon point de vue, ils le connaissent. C'est bon. Et voilà, je suis ouvert à tout, je n'ai rien contre aucune religion.